aujourd'hui, je vais te montrer comment te servir de la cloueuse. Oh, génial! J'attendais ce moment avec impatience. J'adore le bruit qu'elle fait. Primo, tu positionnes ta planche au bon endroit. Secondo, tu colles la pointe de la cloueuse sur la planche au-dessus de la poutrelle et tu appuies sur le bouton. Oh, oh génial! Wouhou! Ensuite, tu plantes d'autres clous à différents endroits de la planche pour qu'elle soit bien fixée. J'adore le bruit qu'elle fait. Ponk, ponk, ponk. Il ne me reste plus qu'à te montrer comment recharger la cartouche de clous lorsqu'elle est vide. Je t'écoute. Tu appuies sur le bouton qui l'éjecte, tu la recharges de clous et tu la réinsères. C'est compris? C'est compris. Je suis opérationnel. Super. Pendant que toi, tu cloues les planches, je vais chercher le vernis. La terrasse est impeccable, Léo. Beau travail. Oh, merci, Bob. Monte, tu seras le tout premier à marcher dessus. Léo, est-ce que tu as rechargé la cartouche de clous comme je te l'avais dit? Rechargé quoi? Ce n'est pas grave. On va recommencer. Une pioche, j'adore casser le sol avec mon brise-roche. Je suis le meilleur du monde pour creuser des trous. Un jour j'ai creusé si loin que j'ai vu un kangourou. Il a creusé si loin qu'il a vu un kangourou. Maintenant les filles et les garçons, c'est l'heure de tout casser. Voici Coxigru, faites du bruit s'il vous plaît. T'es mieux que de soulever et d'être tout déplacé. C'est moi qui soulève le plus haut dans les cercles, vous voyez. Mais quelques amis se moquent de moi et s'esclavent. Ils disent que ma grue ressemble au cou d'une girafe. Sa grue ressemble au cou d'une girafe. Je suis le meilleur dans la gadoue, vous serez tous d'accord. Pour patauger dans les flaques, je suis le plus fort. Je glisse dans la boue, je m'en sors toujours, c'est formidable. Car telle une chenille, je peux grimper dans les arbres. Car telle une chenille, je peux grimper dans les arbres. Non, ça c'est physiquement impossible. Quel beau spectacle avez-vous apprécié? Scoop, bête et coxigrue. Mais il faut s'en aller. On a aimé leur numéro. Chantons en cœur comme une équipe. Le spectacle est fini. Au revoir les amis. Allez tous ensemble. Au début c'est toujours un beau programme. Puis vient le chaos, la pagaille. Ça ressemble à un nouveau tracas. Mais Bob et l'équipe sont là. Scoop cherche toujours de drôles de solutions. Et tous ses plans sont bancals. Tourne mal. Allez, c'est parti. Au travail avec mes amis. Et si tout ne marche pas très bien, on recommence demain. C'est l'équipe de Bob. Allez, soyons courageux, si Bob est là, tout ira mieux. Et si tout ne marche pas très bien, on réparera demain. On croit pouvoir se reposer un peu, quand tout à coup rien ne va plus.
À Springville, c'est le désordre en tout lieu. Mais le problème est vite résolu. Léo a toujours de bonnes intentions, mais il se laisse emporter. Et Bob doit venir l'aider. Allez, c'est parti, au travail avec mes amis. Et si tout ne marche pas très bien, on recommence demain. C'est l'équipe de Bob. Allez, soyons courageux, si Bob est là, tout ira mieux. Et si tout ne marche pas très bien, on réparera demain. C'est reparti demain. Tu sais, Léo, récemment, tu as retardé des travaux parce que tu avais oublié du matériel au garage. Vraiment ? Je ne m'en souviens pas du tout. Par exemple, hier, notre travail était de peindre le télescope géant de May Moon et tu as oublié d'apporter les échelles et les pinceaux. Ainsi que la peinture. Oh, c'est vrai. Je me souviens maintenant. Tant mieux. Ta leçon d'aujourd'hui consiste à apprendre à vérifier le matériel avant de quitter le garage et à faire en sorte de ne surtout rien oublier. C'est tout à fait logique, Bob. Bien. Ce matin, nous allons construire une remise aux eaux où seront conservées les bananes pour les singes. Oui, on va au zoo. J'ai donc fait une liste des outils dont nous aurons besoin et j'aimerais vérifier qu'ils sont tous dans ta boîte à outils. Ça te va? Ça me va parfaitement, Bob. Très bien. Premièrement, le niveau à bulles. C'est bon. Génial. Il ne faut pas que la remise soit bancale. Est-ce que tu as un tournevis? C'est bon. Heureusement, car les vis ne vont pas se visser toutes seules. Exactement. Tu as un marteau? C'est bon. Oh, j'adore les marteaux, Bob. Je ne risque pas de l'oublier. Parfait. Et maintenant, le mètre et les lunettes de sécurité. C'est bon et c'est bon. Alors, pour terminer, la scie. Ah, la voilà. Oh, aïe. Oh. Fais très attention aux objets tranchants, Léo. Toujours. Bon, je crois qu'on a tout. Allons construire notre remise. En route, on est prêt à partir. Alors, qu'est-ce que tu attends, Ben? Tu ne vas pas prendre ta boîte à outils, Bob? Ah, oui. Où avais-je la tête? J'ai oublié. Au début, c'est toujours un beau programme. Puis vient le chaos, la pagaille. Ça ressemble à un nouveau tracas. Mais Bob et l'équipe sont là. Scoop cherche toujours de drôles de solutions. Et tous ses plans sont bancals. Tourne mal. Allez, c'est parti. Au travail avec mes amis. Et si tout ne marche pas très bien, on recommence demain. C'est l'équipe de Bob. Allez, soyons courageux, si Bob est là, tout ira mieux. Et si tout ne marche pas très bien, on réparera demain. On croit pouvoir se reposer un peu, quand tout à coup rien ne va plus. À Springville, c'est le désordre en tout lieu, mais le problème est vite résolu. Léo a toujours de bonnes intentions, mais il se laisse emporter. Et Bob doit venir l'aider. Allez, c'est parti. Au travail avec mes amis. Et si tout ne marche pas très bien, on recommence demain. C'est l'équipe de Bob. Allez, soyons courageux, si Bob est là, tout ira mieux. Et si tout ne marche pas très bien, on réparera demain. C'est reparti demain.